Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Minecraft Dimensions Mystic Dragons. Je suis sur le dos d'Ender. Et bien on se retrouve pour un nouvel épisode, surtout un nouveau fight, un nouveau combat, du sang, de la chic, du molar et des flammes. Puisque j'ai décidé d'invoquer de nouveau le boss du feu, mais cette fois-ci on va l'attaquer sur notre propre terrain. Je vais l'invoquer ici, dans l'océan, donc assez éloigné de notre terrain de jeu, hein, puisque vous voyez là on avait affronté la grande reine des araignées par ici, il reste encore quelques traces. Faudra également que je parte à la cueillette, hein, puisque vous savez, avec la ficelle, on peut se faire de la laine, et comme j'en ai besoin, eh ben, c'est tout bon. Ender, toi tu vas rester ici. Voilà, tu vas me regarder, et puis moi, bah, je vais tenter de combattre héroïquement. Alors, juste une chose, je suis allé sans vous, donc déjà je vais remettre mon casque. Je suis allé sans vous chercher des orbes du Nether, parce que bon, vous savez comment ça s'obtient, c'est plus long qu'autre chose, etc. Donc en préparant l'épisode, j'ai réussi à obtenir pas mal d'orbes du Nether, et je me suis reconfectionné en fait un Fire Scroll, donc un parchemin du feu avec du papier et de la Netherrack que j'ai récolté au passage. Voilà, ça c'est pour mettre les choses au clair sur ce que j'ai dans l'inventaire. Maintenant je file, je prends mon épée enchantée et je vais nager. Alors j'aurais pu prendre, bien sûr. Ah bah regardez-moi l'arrêt là. Ok. Ah j'en étais sûr, je le savais. Alors faut que je fasse très très attention au raid parce que ça pique ces trucs là et je suis sûr que je vais me faire bouffer. Ah tiens bah regardez, voilà. Allez, dégage. Non mais c'est pas toi que je suis censé affronter, en plus le soleil est déjà haut dans le ciel. Voilà, hop, meurt, comme ça moi je suis tranquille. Alors attendez, voilà, je mange un petit peu de poisson, cette circonstance. Et j'invoque le boss du feu, allez go. Alors, ah on fait beaucoup moins le malin maintenant, regarde-moi ça, bah oui, explose, vas-y, brûle. En plus, ce que tu sais pas mon gars, c'est que mon épée, elle est enchantée, du coup je t'inflige un peu plus de dégâts. Enfin normalement, si je dis pas de... Oh là! Excusez-moi, je vérifie, Diamond Sword, Knockback et Bands of Arthropos. Donc en fait, je ne lui inflige pas plus de dégâts. Ah, purée! Par contre, non, il faut pas que je l'attire vers le... Ah, mince. Voilà, par là. Donc tu dégages, t'es bien gentil. Donc en fait, voilà. Gros combat. Et là au moins, je serais sûr de pas perdre tes loot dans le feu. Garnement, tu voulais perdre tes loot, hein, n'est-ce pas? Alors, par contre, moi, il faut que je fasse très très attention parce que je vais finir par me faire brûler si ça continue. Alors, non pas brûler, mais empoisonné. Donc là, il faut que je lui règle son compte à cette raie. Bon, la méduse, elle ne me vaudra pas de mal. Ouais, donc je disais, je n'ai pas plus de pouvoir sur mon épée, hein, c'est faux. Bands of Arthropods ne fonctionne pas sur lui. Dommage. Oh, c'est moi ou t'es devenu rouge? Dégage-toi. Voilà, meurs. Alors, va falloir que je fasse très très attention parce que dès l'instant qu'il passera au niveau 2, au niveau Fury, il va invoquer des bestiaux et ce sera très mauvais pour mon matricule. Donc, ce que je vais faire... Hop. Allez, toi, tu dégages et moi, je vais grimper sur ce petit îlot qui est fort bienvenu. Du coup, je vais pouvoir le voir venir tout en évitant de me noyer. Ça risque d'être plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant que je suis dans l'eau, vas-y, explose, fais-toi plaisir. Par contre, j'ai complètement zappé de prendre un... Oh, je suis obligé de l'affronter à l'épée. Bon, vas-y, on essaie de cramer, mais... Regarde, ça c'est vachement bien le knockback. C'est knockback 2, c'est ça? Ouais, knockback 2, trop bien. En fait, finalement, c'est vachement bien le knockback. Là, allez, dégage. Invoque-les, t'es miséreux, là, qu'on puisse en finir. Je sais pas combien de temps on est, là. Oh là là, en plus, ça va bientôt être la nuit, puis alors moi, je vais mourir. Ender, il est là-bas, il se marre, lui. Je suis sûr qu'il se marre de là où il est. Ah, il a enfanté. Félicitations, monsieur, c'est un garçon. Et oh, il est aussi méchant que son père, dis donc. Oh bah dis donc, deux gosses. Et ben il arrive à faire des bébés tout seul, lui. Elle fait des bébés toute seule, bah oui. En fait, si elle se trouve, c'est une femme. Avec deux grandes épées. Oh là là, mon dieu, c'est une fratrie. Au secours.
Ah non, hein, ça va, tu vas pas t'amuser à foutre le feu partout, hein. Regarde, hop, c'est cool. Oh là là, oh là là. Ah, au secours. Eh, c'est une fête, hein, je vous ai pas invité, au secours. Okay. Oh là là, mon dieu, heureusement que j'arrive... Ah, l'air repoussé, j'allais dire. Heureusement que je les fous en l'air, parce que sinon c'est eux qui vont me foutre en l'air. Oh là, mais c'est pas grave, oh là, ils m'attaquent de toutes parts. Je suis désolé, je fais bouger l'écran, mais... Là, j'ai 50 000... Oh là là, mon dieu. Biloulette, comment suis-je mort avec toi? C'est juste pas possible. Oh là là, au secours. Oh là là. Bon, je récupère ma vie au fur et à mesure. Dégage. Dégagez les bestiaux. Oh, il me reste que 5 heures, au secours. Eh, hey, mais ils sont trop nombreux, là. Dégagez. Hey, je n'ai rien à faire de vous, moi. C'est pas vous qui m'intéressez. Il faut que j'arrive à le battre, lui, quoi. Oh là là, mon dieu. Je suis désolé, hein, si ça tremble de partout. Mais là, j'ai vraiment pas le choix. Bon, là, par contre, ça va faire un max d'XP. Allez, dégage, quoi, le monstre. Dégagez les monstres. Parce qu'en plus, ils font super mal. Ouais. Yes. Yes, 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 yes. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à tuer les monstres environnants. Là. Cool. Trop bien, je l'ai battu. En plus, je vais récupérer les loots. Allez, dégagez. J'adore cette épée, en fait. J'adore cette épée. Hop. Allez, des volontaires. Encore. Allez. Knock back. Par contre, je ferais bien d'aller les récupérer tout de suite, les loots, parce que sinon, je vais encore les perdre. Oh, un pantalon. Bah oui, forcément, vous allez pas plonger. Lol. Allez, on dégage. Voilà, toi t'es mort, tu vas me laisser tranquille. Voilà. Ok, et ben voilà, ça y est, j'ai fini par récupérer quelques points d'expérience en plus. Et ben voilà, au moins, il sera pas mort pour rien, le bestiau. Quelques points d'expérience pour Papy Wolfie, ça fait quand même plaisir. Ah non, mince, je suis en train de mourir. Ah, ouf. Imaginez la mort terrible. Il a courageusement affronté un monstre. Et il meurt noyé. Vide merde. Ça va pas du tout cette histoire. Bon, il flotte méchamment, donc ça va pas du tout. Donc je ferai bien de rentrer très très vite, mais avant, je vais quand même faire l'inventaire. Oh là là, Hearthstone Leggings. Et j'ai une épée en feu. Trop bien, trop bien, j'ai une épée de feu. Ça c'est cool. 16 de Netherwart, ça c'est nickel. Par contre j'ai pas beaucoup de Nether Orbs. Si j'ai pris les orbes du désert, c'est aussi parce qu'on va partir à la recherche de momies pour bien affronter un nouveau boss. Du moins j'espère. Et puis Hearthstone Leggings, c'est cool, j'ai le pantalon. Oh trop bien. J'ai un pantalon tout rouge maintenant. Voilà, Hearthstone Leggings. Bon, et ben c'est cool. J'ai réussi à choper une partie d'armure. Et vite, il faut que je me dépêche parce que sinon ça va popper dans tous les sens et je risque de trouver la mort bien plus tôt que prévu. Oh là là. Bon. Là par contre ça risque d'être assez long si je. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure, une petite coupure, et on se retrouve juste après. Et voilà, ça y est, on se retrouve. Allez, Ender. Maintenant. Allez, allons-y. Rentrons vite à la maison. Ils vont avoir peur tout seuls, les pauvres. Oh là là. Alors par contre, quelle tristesse. Quelle tristesse ce temps. Il fait super sombre. On voit plus rien. Allez, rentrons à la maison tout de suite. Heureusement, il y a de la lumière par ici. Ça, c'est cool. On va retrouver nos dragons préférés. Allez. Allez. Bonne nuit, mon ami. Dors bien et te fais pas embêter par les fantômes. Hein. Waouh. Bon, ça va les dragons? Tout se passe bien? Bon. Bonne nuit, on se retrouve demain. Je serai beaucoup plus à l'aise après une bonne nuit de sommeil, et vous aussi d'ailleurs. Allez. Vite. Dormons. Parce que sinon on risque d'être à la ramasse le lendemain. Waouh. Purée. Oh là là, il y a plein de monstres dehors. Heureusement, le soleil revient après une nuit de pluie. Ça, c'est cool.
Est-ce que les âmes... Ouais, les âmes dangereuses sont toujours là. Ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement... Pardon, hop, je me fais mal, tout est normal. Ouais, non, bon, tant pis. Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre des flèches. Non, j'ai mieux. Hop, je vais prendre ça. Plus mes flèches. J'arrive, j'arrive, mes dragons, j'arrive. Je m'occupe de vous. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Vidéo setting. Non, c'est pas ça, c'est sound. Je vais juste augmenter un petit peu le son parce que sinon, on va rien entendre. Et là, je vais m'occuper de ces sagouins de fantômes. Ah là, il est mort. Où est le deuxième? Il n'y a pas de deuxième, par contre. Hop, il y a un squelette. Oh, oh, one shot. Nickel. Toi, pareil. One shot. Ah, je me... Allez, aujourd'hui, je chasse. Oh, bah, il est mort en un coup. Trop puissant, cet outil. Ah, bah, ouais, mais t'avais raison, c'est clair. Putain, c'est trop puissant. Oui, désolé. Tiens, on va se one shot le creeper. Alors, attendez, je vérifie. Tiens, on va se one shot le canard, déjà. Allez, souris. Ah non, bouge pas par contre. Bon bah tant pis, c'est ton cousin qui va prendre. Pour ce soir, tu vas prendre... Hop là. Non, bah oui, bon. Ça s'appelle un... Oh là là le... C'est quoi ce dépop de malade? Ça pop, ça repop, ça pop, ça repop. Boum. Bon, d'accord. Je l'ai entendu. Je vise peut-être mal, mais j'ai des bonnes oreilles. Enfin, de bons yeux. Bon, le creeper, lui, il va pas dépop, par contre. Allez. Oh, le chasseur manqué, quoi. Allez. Allez. Hop. Ouais. Par contre, lui, il a pas pris un one-shot dans sa tronche. Oh, mais non. Allez, allez, l'arc, il va devenir rouge. Ouais. Trop puissant. J'adore. Bon, je vais aller récupérer les petites flèches, là. Comme ce sont les miennes. Oh, encore un creeper. Aux armes. Bon, hop. Trippy se demande encore qui c'est qui a... C'est qui a tiré sur moi? C'est moi. Allez, hop. Voilà. Le creep, on le laisse. On va aussi aller récupérer. Non. Trop méchant. Puis tellement gratuit en même temps. Allez, hop. Et voilà, cool. Allez, on va récupérer ça. Les petits loots également. Bon, bah écoutez, j'ai affronté les boss plus que de raison, hein, j'ai l'impression. Plus que de raison, puisque j'ai affronté deux fois la faucheuse, deux fois le soldat de feu, une fois la reine des araignées, et il nous reste encore trois boss, trois démons à battre. Bon, en ce qui concerne la décoration, comme je vous l'ai dit, je vais faire ça plus tard. Pour ce qui est du car plage mer, pour Sky, c'est bon. Pour ce qui est du car forêt, il faudra que je rajoute un petit peu de neige verte encore. Enfin, de neige verte. De tapis vert, de laine verte. Je sais pas pourquoi j'ai dit la neige. Et puis, ici, bah, faut clairement que je fasse un petit monument, un petit truc comme ça, pareil. Je pense que je vais faire des petits monuments, des petites protections pour chacun de mes dragons parce que j'ai trouvé l'idée plutôt sympathique. Donc je vais continuer tout ça hors caméra parce que bon, j'ai déjà passé deux épisodes dessus. Et puis certainement le prochain épisode en fait ce sera peut-être encore du combat ou encore je sais pas moi, peut-être la construction de la maison, de la villa, on verra bien. On va partir à la chasse. Par contre, qu'est-ce que c'est que c'est? C'était quoi ce truc que j'ai vu? J'avais cru voir un dragon, mais non, il est là, Ender. J'ai des hallucinations parfois, c'est un truc de dingue. Bon, on va s'occuper un petit peu du champ de blé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas ramassé le blé avec vous. Hop là, boum, ouais, trop cool. Allez, on va ramasser un petit peu, on va voir à combien s'élève le rendement. Je vais ranger ça, je vais ranger ça. Maintenant, ça a eu le temps de bien couler, je pense.
Oh là là. Et là, ça tombait bien méchamment. Ah ouais, 64, etc. Ah ouais, quand même, on rigole pas, là. C'est la fête. Alors, on va les replanter dans tout ça, bien tranquillement. Yup. Allez. Toi aussi. Vous avez vu, hein, j'imite bien, hein, le gibier. Bah écoute, toi aussi. Voilà. Vous ne saurez jamais ce qu'on s'est dit. C'est notre petit secret. Oui, il m'arrive de péter des câbles. Je pète un plomb parfois, c'est comme ça. Quand je plante mon blé, voilà, le dur labeur. C'est difficile. Ah, c'est si difficile. Je me demandais c'est quoi le bruit que j'entends, mais non, c'est le nether. On a le portail juste là. Ah, c'est le bruit du nether. Je sais pas pourquoi, je prends... Tristesse. Bon, allez, j'arrête, je me calme, et je... voilà. Hop, le blé ne se fume pas, ça se... Hein, hop là. On va aller ramasser ça, tiens, on va essayer. Boum. Oh, ce skill. Bon, je me suis cassé une jambe, mais c'est pas grave, au moins j'ai réussi à ramasser tout ça. Oh, j'ai jamais eu autant de pastèques que sur Skylia, quoi, c'est un truc de dingue. Depuis que j'ai découvert la pastèque, je crois que j'ai découvert une passion. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Bon, cet ours là il m'énerve, il traîne autour de la maison là. Oh, c'est un couple en plus. Bonjour monsieur ours, madame ours. Fait plaisir de vous retrouver. Allez, boum, tiens, du poiscaille et du poiscaille aussi. Voilà, comme ça vous m'évitez d'aller à la pêche et moi je suis bien content. Un peu d'XP aussi, s'il vous plaît, à votre bon cœur. Voilà. Et ben voilà qui est parfait. Bon, on va peut-être aller dire bonjour aux dragons parce que les pauvres, ils doivent s'ennuyer. Bon alors, bah, qu'est-ce que tu fais sur le tapis de Sky, toi? Ah, d'accord, c'est la zizanie, c'est un truc de fou, ça. Drake, qu'est-ce que je t'ai dit? Les coins, tu peux pas oublier? Ah là là. Non mais j'ai rien contre, mais bon, voilà, je pensais que notre entraînement avait porté ses fruits, que t'étais moins timide. C'est ça, c'est les habitudes, on a du mal à les perdre, que voulez-vous, il n'y a que le changement qui ne change pas. Enfin bref. Non, surtout ça veut rien dire ce que j'ai dit, puisque justement ça ne change pas, les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre. Qu'est-ce que je voulais faire moi ici? Je commence à pu aller très bien. Oui, c'est ça, merci Sky. La nourriture. Il arrive à deviner ce que moi je souhaite faire. C'est un truc de fou. Il lit dans mes pensées, ce dragon. C'est terrible. Et puis ensuite, bah, on va ranger quand même le matos du Nether. J'ai même pas pensé à prendre des Nether briques en allant dans le Nether tout à l'heure. Oh, pff, tristesse. Bon, j'ai encore un manuscrit, hein, si je veux invoquer une nouvelle fois la bête. On verra bien. Ah non, j'ai pas de manuscrit, mais j'ai du papelard. Et ça, c'est bien d'avoir du papelard, parce qu'il est papelard, le papelard. Alors. Hop. Netherwart. Pareil. Gunpowder orange par ici. Necro Orbs, j'en ai 30, c'est l'indécence la plus totale. Et puis Green Orbs aussi, ça il va falloir que je m'en occupe également, Green Orbs. J'en ai 4. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il va quand même falloir que j'aille à la chasse au croco également, pour me faire une armure en croco. Bah écoutez, moi je vais aller reprendre la route du désert. Et puis on va passer les quelques minutes qui nous restent dans le désert pour essayer de trouver des monstres. Allez les amis, à tout à l'heure, à tout plus. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, mais vous en faites pas, mais vous allez bientôt vous installer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ok, merci bien. Hop. Bon, alors je rappelle, hein, l'objectif des coffres dorés, il va falloir que je retourne bientôt dans une grotte pour aller retourner chercher des ressources. 10 niveaux ici, 58 par ici. Je vous rappelle que je dois avoir 3 coffres en 3 coffres d'expérience remplis de 10 niveaux chacun, pardon, j'ai du mal, décidément. Allez, allons-y mon ami, on s'envole. Direction le désert.
Oui, non, c'est... Mais non, c'est déjà la nuit! Tu veux dire que j'ai passé 10 minutes à parler? Oh... Quoi, tu veux t'arrêter là, toi? Mais comment je vais faire pour te rejoindre après? Ouais. Faut penser à moi aussi, hein. Je suis petit sur pattes. Ah! Cours sur pattes. Bon, je vais me coucher, ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, hop. Non, mais c'est la nuit! Arrête de m'embêter! Voilà! Eh, pile à l'heure! C'est toi la poule. Voilà. Allez, on y va maintenant. Et là, on se lève aux aurores. Et me dis pas que c'est moi l'aurore. Je te connais par cœur. Hein. Attends. Eh, le dictionnaire des vannes, l'édition 2013, je te l'offrirai pour ton anniversaire. Hein? Ouais, je sais que c'est bientôt, mais alors. Alors, voyons voir. Non, c'est pas par là. Oh, ouais, ça va, je suis fatigué. Attends, c'est bon. Je te signale que je me suis quand même bien... Oh, un creeper, un creep. Oups là, non. Non, 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 non. Je me suis quand même farci un soldat de feu, quoi. La violence du truc. Hop, là. C'est le marais. Et le sable, eh ben, c'est là. Voilà. Comme on l'aime, le sable. Boum. Alors par contre, je me demande s'il va y avoir des monstres, parce que comme c'est pas la nuit, si ça se trouve, j'ai fait une boulette en venant ici, moi. Bon, j'ai pris de... Hop, voilà. Tiens, je te libère, tu vas marcher un petit peu, parce qu'il est hors de question que je te laisse flemmarder comme ça pendant que moi, j'affronte des monstres. Enfin, si j'en affronte, parce que là, je suis pas sûr de moi, là. J'ai bien peur qu'il y ait personne. Oula, par contre... Ah! Oh! Ah ouais! Oh la belle grotte! Ah bah écoutez, mes prochaines expéditions à mon avis ce sera là-dedans. Ender, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu es? Ah bah quand même, va pas te frotter au cactus. Hein. J'ai quand même gardé quelques... Bah non, les poulets! J'ai pas pris les poulets! Ah va falloir que je fasse très très attention à toi. Hein. Bon par contre, hop, je me renvole. Du verbe se renvoler. Pour aller chercher quelques monstres. Est-ce qu'il y en a déjà? Parce que c'est bien gentil d'en chercher. Faut en trouver. Donc ça c'est l'entrée du temple. Parce que c'est quand même assez rare hein, ces bestiaux-là. Hein. Je crois que c'est les sbires qui ont le plus de dégoût à servir leur maître. C'est dingue, hein? J'espère que ce sera facile de battre leur maître à eux. Oh là! Ouais. On a eu la même vision d'horreur. Trop de monstres. Trop de people. Bon. Bon bah écoutez, là je crois que c'est un bide total. Hein. C'est un bide qu'on... Ouais, c'est foireux là, la chasse aux monstres. Y a personne! Y a pas de monstres! Non mais attends, j'hallucine pas. Y a pas de monstres. C'est quand même terrible ça. Pourtant c'est des monstres hostiles les sbires, ils peuvent apparaître en plein jour. Oh c'est ça, j'ai trop de skills. Oula. Oups. Trop de skills mais il y a quand même des... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, il y a encore des araignées rouges, des sbires qui se sont perdus comme ça, c'est la fête. Bon bah les amis, on va peut-être arrêter l'épisode ici, hein, parce que là j'ai l'impression que c'est un four que l'on se prend, mais un truc d'une violence rare. Énorme four, il n'y a pas de momie. Alors là je suis un peu mal, parce que pour la récolte de d'orbes, momies, etc., on va peut-être attendre la nuit. Moi ce que je vais faire, c'est que bah, je vous retrouve dans l'épisode suivant. En un seul morceau, on va peut-être voilà, voler, hop, boum. Donc dans les nuages, peut-être éviter trop de nuages, parce que trop de nuages tue le nuage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va se mettre là, tiens. Hop, tout en haut de cette magnifique dune de sable. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mystic Dragons très bientôt. En attendant les amis, prenez super bien soin de vous. On se retrouve pour un nouvel épisode très en forme. Allez, salut les gens. Et puis moi je pense qu'on va se faire une petite sieste ici, ça va être plutôt sympa. Hein. Allez, petite sieste. Par contre il fait un peu frisquet, non?